Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation produit. Comme je disais, les présentations produits, ça me permet de continuer à faire d'autres vidéos et de financer mes aventures et mes projets. Et à la fois de vous présenter des trucs reliés à la vie autonome ou la vie un peu plus simple tout en se la rendant un peu confortable quand même. Et j'aime bien vous présenter des accessoires comme celui que j'ai aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, je vais de plus en plus, vu que j'ai une petite base pour l'été, pour ma caravane, qui est dans un endroit peut-être que je vous montrerai, je m'en vais pour des aventures de nomadisme beaucoup plus légères et beaucoup plus aventureuses, je dirais, parce que moi j'ai eu l'habitude d'avoir tout le temps avec moi un véhicule récréatif ou un véhicule où tout était contenu, où toute ma maison se trouvait, mais cette année j'ai décidé que j'allais faire des aventures un peu plus rustiques. Cela dit, quand on part un peu plus de 3-4 jours, si vous avez un conteneur comme ça, moi c'est ce que j'avais, vos produits frais ne vont pas durer bien longtemps. Et moi j'adore cuisiner, même quand on est en camping, il faut cuisiner. Et comme je vous l'ai montré, je vais dans des aventures juste avec mon camion, en tente, parfois sans le camion aussi, mais d'avoir une manière de garder des produits frais, c'est quand même important, surtout quand on vit dans une région et dans une saison ici où les températures vont parfois au-delà de 40 degrés. J'espère pas, on croise les doigts pour cette année. Mais donc, tout ça pour vous dire que je voulais vous présenter un produit que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un frigidaire à compression qui fait aussi congélateur, mais il ne peut pas avoir les deux. C'est le seul inconvénient. Et donc, c'est la marque Vevor qui me l'a envoyé. Qui fait un peu tous ces bidules-là hein, de van life qui sont très utiles, je trouve, parce que dans la van life ou dans la vie nomade, on peut soit partir en mode rustique sans rien, soit commencer à s'améliorer un peu la vie pour être un peu plus longtemps dans le bois, pour être un peu plus longtemps tout en s'alimentant très sainement, et c'est très important pour moi. Et donc, voilà un petit frigo à compression que beaucoup de van lifers ont déjà, que vous connaissez, qui consomme très peu. Vous voyez, en ce moment, il est plugué à la EcoFlow et il consomme à peu près 40 watts. Mais la raison pourquoi il consomme 40 watts, c'est qu'il est en train d'essayer de faire du froid, vu que je ne le laisse pas allumer tout le temps. Et là, on est à 17 degrés, sachant que dehors, il fait à peu près 30. Mais je l'ai mis à 5 degrés, qui est la température d'un frigidaire normal. Et donc, on va voir combien de temps ça met. Ça se passe, j'espère que d'ici la fin de cette vidéo, eh bien, on aura atteint la température. Je voulais vous montrer parce que la dernière fois que je l'ai fait marcher, et j'ai pas vu combien de temps ça a pris pour qu'il aille de la température ambiante à la température souhaitée. Ça devrait prendre moins d'une trentaine de minutes en tout cas, mais on va vérifier ensemble. Voyez, on a déjà perdu 3 degrés, donc ça va vite. Et ensuite, une fois que le frigidaire à compression est en marche et fait du froid, eh bien, il va consommer encore moins d'énergie. Et donc, c'est un système que je trouve très pratique pour les gens qui soit se font un véhicule à sur mesure. Ça prend très peu de place, vous pouvez le glisser quelque part. Pour moi, c'est pratique parce que en fait, je le mets dans la boîte de mon camion sur le côté. Et à la fois, en fait, ça me permet aussi quand je vais faire mon épicerie, même si j'espère avoir de moins en moins à aller faire mon épicerie, vu que c'est l'été, il y a toute la vie sauvage qui nous offre plein de plantes sauvages et un jardin potager. Moi, la petite ville où je reste, elle est à plus d'une heure de là où je suis pour aller faire ses courses. Et bien, souvent j'y vais et je reste une demi-journée là-bas, je fais plein de petites choses et tout. Et je n'est pas le luxe de pouvoir vraiment garder mes produits frais longtemps. Et donc ça me permet à la fois de mettre tous les produits frais là-dedans et de partir une journée et aussi de partir plusieurs jours. Le plus longtemps que j'ai amené ça, c'était 5 jours. Et ça a tenu vraiment tout le long la batterie. Alors bien sûr, il va falloir une batterie. L'autre avantage, c'est que ça vient avec deux modes de branchement. Un qui est en prise allume-cigare qui va consommer moins de 2 ampères, donc vous pouvez mettre ça dans la prise allume-cigare de votre véhicule et vous pouvez garder ça à l'intérieur de votre véhicule en étant sûr que vous laissez un peu d'aération sur les côtés. Et l'autre manière de plugger ça, c'est si vous avez un branchement en courant alternatif en 120 volts ou en 220 si vous êtes en Europe, eh bien vous pouvez aussi par le même branchement
mettre ça sur une prise murale, et je trouve que ça simplifie tellement tout le système, parce que même pour les gens qui sont branchés quelque part, qui voudraient un petit congélateur portable à compression qui consomme très peu d'énergie comparé à tous les autres congélateurs maison, eh bien c'est vraiment l'outil idéal et la boîte idéale en fait pour conserver ça. Moi, vous savez, je suis cueilleur-chasseur et parfois il y a des journées chaudes, et quand on va dans la nature et qu'on cueille, ramasse ou récolte sa nourriture, eh bien c'est assez pratique d'avoir ce congélateur portable qui est très multi-usage. Et donc je voulais vous en faire cette présentation. Et moi, à l'intérieur, ce que je mets, à l'intérieur je mets toujours un bloc de glace, comme ça ça permet d'être sûr que au cas où vous perdez votre source d'électricité ou votre machine s'arrête, eh bien il va encore faire du froid pour pas mal de temps, parce que si vous gardez en fait le couvercle fermé, cette machine va faire du froid pendant très longtemps. La nuit, elle s'arrête complètement, tellement le froid, et vu qu'il y a un régulateur, le froid est assez froid. La nuit, il fait assez frais pour que le frigo ne tourne pas. Donc je vais vous amener un peu plus près et vous montrer de quoi ça s'agit. C'est la version 32 litres. Il y a un petit Léo qui fait sa sieste ici. C'est la version 32 litres. Il existe une autre version 22 litres, j'ai mis les liens dans la description, il y a aussi je crois un code promo si vous voulez. L'app qui vient avec, elle est très bien fichue, et elle permet vraiment de, voilà, il y a un mode éco, il y a un mode de basse énergie, et de mettre la température que vous voulez. Donc moi j'ai mis 5 degrés, et vous voyez qu'en ce moment la température elle est à 14 degrés, sachant qu'il y a, quand on a commencé cette vidéo, elle était à 20, donc on va très vite arriver à notre température de réfrigération. Mais même sans l'app, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne, cette machine là vous avez le bouton on ici, vous avez les réglages, et ici vous avez vu ça configurer par contre la température, donc plus et moins. Et il y a aussi un truc très pratique, une petite prise USB là pour recharger ces appareils si vous avez besoin ou je ne sais quoi. Quant à l'intérieur, eh bien je vous avais pas montré de quoi ça a l'air. Alors vous ne voulez pas garder ce frigo ouvert tout le temps, je vais le faire pour la vidéo, mais l'intérieur est très bien fait, vous voyez, il rentre presque une bouteille. Ces bouteilles là elles sont immenses, hein. Elles font 1,5 litre, et vous la rentrez presque en hauteur. Donc moi je la mets un peu de biais comme ça, mais il y a très peu de bouteilles qui sont aussi grosses que celle là et vous pouvez vous mettre dans ce conteneur de 30 litres vraiment beaucoup de choses. Le seul désavantage, c'est que j'aurais aimé pouvoir mettre les œufs en largeur ici, ça aurait sauvé beaucoup de place, mais ce n'est pas grave, vous pouvez mettre votre céleri et tout s'arrange bien. Vous pourriez presque mettre aussi une petite division ici là, un petit compartiment, peut-être c'est quelque chose que je ferai qui est assez pratique, au moins vous pouvez trouver vos affaires très très vite. Et je trouve que le 30 litres est très pratique. Le 20 litres, je le trouve un peu plus petit, et il a presque la même taille en fait, le conteneur de 20 litres, alors que le 32 litres, c'est celui-ci, le C30, ça s'appelle ce modèle-là. Il n'est pas si gros que ça, il est très léger aussi, et il peut contenir beaucoup d'aliments. Vous voyez, il y a même pour vos petites bières ou vos petites boissons de quoi mettre ces canettes. Donc voilà, ça fait 30 minutes que le frigidaire est en marche et maintenant vous l'entendez plus. Il a atteint la température de 5 degrés. Et si on le laisse fermer, il va garder ce 5 degrés très facilement parce que c'est un frigidaire très bien isolé. Et sur l'app, on peut voir ensuite les contrôles. Alors moi, je le mets en mode le plus bas et éco. Et comme ça, il consomme encore moins d'énergie. Et on va voir combien d'énergie il consomme sur la EcoFlow. Vous pouvez voir que c'est fascinant. On était à 40 watts quand il était en train de se lancer. Et voilà que le frigo tire 0 watts. C'est tellement marginal que la EcoFlow ne voit pas combien de watts sont tirés. La batterie est à 12,6 volts, donc ça veut dire qu'elle est à 100%. Par contre, eh bien voilà, si je le rouvre, je le laisse ouvert, et vous disons, je voudrais mettre le frigidaire à
3 degrés. Donc maintenant, je viens de baisser la température à 3 degrés. Je referme. La compression se remet en marche et on est toujours autour des 30 à 40 watts. Et une fois que la température est atteinte de nouveau, eh bien on retourne à 0 watts. Donc c'est un système extrêmement bien fait. Un petit frigidaire à emporter partout. Alors est-ce qu'on l'aime ce frigidaire avec Léo ? On l'aime beaucoup parce que c'est très très simple en fait. Il n'y a pas de manuel limite à avoir. On n'a pas besoin de manuel. C'est très simple, encore plus simple avec cette app qui vous permet de monitorer peu importe où vous êtes autour de votre campement. Le froid va vraiment rester. C'est très pratique et bien pour tous les gens qui ont des... Bye Léo, pour tous les gens qui ont des vannes, des véhicules, si vous avez un petit espace, juste un petit endroit où mettre cette petite boîte rectangle, vous pouvez la glisser n'importe où. Il vous suffit d'avoir un tout petit peu d'énergie et ça peut s'appliquer vraiment à tout le monde. Les gens qui aiment cuisiner, les gens qui ont besoin d'un frigidaire pour leur... Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui mangent cru ou qui mangent... ou n'importe qui mange des produits animaux ou quoi. Aussi, ça peut s'appliquer pour tous les gens qui ont besoin de... Je sais que moi, Léo, je ne le nourris pas de nourriture de viande, en fait, de viande crue. Je trouve mes mots. Et donc, pour tous les gens qui ont des chiens et qui ont besoin d'avoir un frigidaire pour la nourriture crue de leur chien, ça peut être aussi un grand bonus d'avoir ça. Et vous pouvez tenir beaucoup plus de jours parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en van, qui sont nomades ou quoi et qui vont en ville très souvent. Il y a d'autres personnes qui aiment aller pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans la nature. Mais pour ce faire, il faut quand même avoir un petit frigidaire et d'où l'utilité d'avoir ce frigo-là. Vous avez aussi l'option d'en faire un congélateur. Donc si je devais me faire un véhicule tout autonome, j'en prendrai deux pour avoir facilement un congélateur et un frigidaire. Alors je sais qu'il y a certains frigos à compression qui font les deux et c'est un très bon système. Par contre, eh bien, ces frigos-là, ils coûtent un peu plus cher alors que pour quelques centaines de dollars, 200 ou 300, vous pouvez avoir ça, le commander, ça arrive à très très vite. Et ensuite, vous pouvez partir avec vos produits frais. Donc voilà, j'espère que cette présentation de produits vous a plu, que cette petite intro dans les Kootenays où je suis parti, c'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous montrer un peu des belles images de notre région plus montagneuse, plus alpine où je suis allé. Et de toutes ces aventures-là, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir partagé cette petite aventure et cette vidéo avec moi. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.